Ce lundi 13 mars, Ophélie Winter s'est rendue au Palais des Glaces pour la réouverture des lieux après des travaux de rénovation. L'occasion pour l'ancienne vedette du Hit Machine d'officialiser sa relation avec son nouveau compagnon. Ophélie Winter a vécu une année 2019 particulièrement éprouvante. Rentrée en France où elle n'avait plus de domicile, elle avait suscité l'inquiétude de ses fans, dont certains se demandaient si elle n'était pas devenue SDF. De passage dans l'émission de Jordan Deluxe, l'ancienne compagne de MC Solar avait finalement rétabli la vérité en déclarant « Je décharge d'hôtel en hôtel, mais je n'ai pas de domicile du tout. C'est pas fixe ou mobile. Et je n'habite plus en France. » 3 ans plus tard, le 2 juin 2022, elle sortait un livre autobiographique, intitulé « Résilience », dans lequel elle se livrait sur les traumatismes de sa vie, notamment les agressions sexuelles qu'elle a subies de la part de son oncle. Quand j'ai commencé l'écriture de Résilience, je ne voulais pas en parler. Mais avec le mouvement #MeToo, je me suis finalement dit que le moment était venu. J'attendais que mon oncle et ma grand-mère meurent. Je n'avais pas envie de cacher certains aspects, avait-elle expliqué dans les colonnes de Téléstar. Ophélie Winter, de nouveau en couple, désormais libérée de ses vieux démons, Ophélie Winter a décidé d'aller de l'avant. En 2022, elle a ainsi joué le rôle de Sylvie dans Somme Ingayée, une série réalisée par Laurent Ranan et Abel Vaccaro. Mais il n'y a pas que sur le plan professionnel que sa situation est au beau fixe, l'ancienne mannequin est aussi une femme amoureuse. Ce lundi 14 mars, elle était présente au Palais des Glaces pour la réouverture des lieux après d'importants travaux de rénovation. Un événement mondain dont elle a profité pour officialiser sa relation avec son nouveau compagnon, qui n'est pas un inconnu. En effet, selon Pure People, l'élu de son cœur n'est autre que Michael Chétry, qui est justement le directeur du Palais des Glaces. Tous deux ont multiplié les gestes tendres devant les photographes et se sont même autorisés quelques clichés en compagnie de l'humoriste Jeff Panacloke. Une nouvelle love story qu'Ophélie Winter assume au grand jour et qui, sans aucun doute, lui a redonné la foi. Toutes les photos à découvrir dans notre diaporama.